Mesdames, messieurs, c'est toujours un peu impressionnant d'être sous Louis XIV et de devoir s'exprimer. Brother, I wanted first to speak for you. I have had a dream, and thanks to you, no, il s'est réalisé. Just months after our first visit to the Plan Relief Museum in Paris, we're back. This time to launch a HoloLens exhibit that adds new life into one of the museum's prized treasures. In part one of this Today in Technology series, we introduce you to the island in the form of a 3D relief map, a technological marvel of its time. Part two brought you to the UNESCO Heritage Site as we work to help revolutionize the museum experience and bring this cultural jewel to people around the world. And now, we see Mont Saint-Michel as never before. Oh, wow. You all did a magnificent job. Because it's all about what a museum can be. Yes. You know, in terms of educating people. Yeah. And you learn so much. Et pour nous, l'enjeu, grâce au numérique et grâce à HoloLens, c'est de montrer, raconter la maquette, mais aussi l'histoire du site représenté et comment notre maquette est un témoignage important pour comprendre l'histoire de l'évolution du site représenté. Et ça, c'est très bien fait grâce à HoloLens, puisqu'on a un discours, des images qui permettent d'expliquer la maquette et qui, en même temps, permettent de montrer de raconter l'histoire du site du Mont-Saint-Michel et montrer l'évolution entre la maquette et le site du Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Donc on peut avoir une comparaison entre la maquette et le site du Mont-Saint-Michel aujourd'hui en étant seulement dans le musée. Donc pendant les visites, il y a un moment magique quand on observe les visiteurs. Ils changent de perspective et qu'à un moment, on les voit faire « waouh ». And among the people spotted at the launch, the charismatic administrator of the real Mont Saint-Michel, who thought he had seen it all. Alors, on parle souvent d'expérience vécue. Je viens d'en vivre une réelle, à la fois virtuelle, numérique, mais également, je dirais, esthétique et historique. Parce qu'il y a un dialogue qui s'établit quasi immédiatement entre la maquette telle qu'on la voit aujourd'hui dans ce musée des plans en relief, mais également l'univers auquel elle se rattache, c'est-à-dire le Mont-Saint-Michel. Puis, on a fait une expérience absolument passionnante et que celle-ci peut se développer à la fois par rapport à un site, par rapport à d'autres maquettes et peut se développer aussi par rapport à d'autres œuvres d'art. C'est à un moment donné de l'expérience, on se retrouve à l'intérieur du Mont-Saint-Michel, enfin de la cathédrale, et on peut observer d'ailleurs sa composante gothique et sa composante romane. Et les gens adorent ça, mais aussi parce qu'à nouveau, ils sont mis à l'aise, ils ont un casque qui ne les a pas coupés du monde. Et tout d'un coup, l'espace d'un instant, ils sont à l'intérieur de la cathédrale, mais sans perte de repère et sans perte d'équilibre. C'est qu'en fait, l'utilisateur est très libre de ses mouvements. C'est extraordinaire, effectivement, de voir une aventure qui a commencé sur le terrain et de voir qu'elle est visible et opérationnelle dans le musée maintenant. Ce qui est particulièrement frappant pour moi, à travers cette expérience, c'est que pour la première fois, on arrive à se faire rencontrer deux mondes. Le monde du numérique et le monde réel. We've taken this extraordinary piece of French technology, of history and culture. And using new technology, I think we are helping people learn about it in completely new ways. In ways that are entertaining, that will be fun for children, and that will enable people to see their world in a manner that wasn't possible before. So I just want to say thank you again to Emmanuel, to everyone at the museum, to the Ministry of Culture. Thank you for letting us be a small part of a long and rich chapter of French history. Thank you.